Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Notre Père, il est bon, il est bon. Il est... Alléluia, hein? Il est bon. Ah, je veux plonger. Alléluia. Mes amis, ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Ta vision du Seigneur impacte ton intimité avec le Seigneur. Hein? Ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Alléluia! C'est le sujet, mes amis, que je voulais qu'on partage. Alléluia! On va prier le Seigneur. Alléluia! Ô Père, que ton nom soit glorifié, je m'achille, Père. Prends toute la place et que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour l'Esprit. Merci, Père d'amour, pour de ce que tu, Père d'amour, tu nous enseignes, je m'achille. Merci Père pour ce message. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mes amis, je veux le connaître un peu plus. Alléluia, alléluia. Comme dit ce chant, je veux le connaître un peu plus. Ne me laisse pas Yahweh à la surface. Alléluia. Mes amis, lorsqu'on voit un homme, une femme, on voit que Yeshua travaille dans sa vie, mes amis. Il faut se poser les bonnes questions, hein, avant de jalouser cette personne, hein, avant de se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Comment Yeshua travaille dans sa vie? Comment il y a des miracles, il y a des choses qui se passent autour de lui? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser les bonnes questions, mes amis. Hein? Tout dépend de la relation que tu as avec ton aile. Tout dépend de la relation, l'intimité que tu as avec ton créateur. Il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y a pas 10 000 solutions. C'est la relation que tu as, que tu as avec ton créateur. Hein? La relation, quelle est la relation? Donc, quand tu vois Yeshua dans la vie d'un homme, d'une femme, hein, ne sois pas étonné. Il y en a de ceux qui sont consacrés. Il y en a de ceux qui consacrent leur vie à Yeshua. Hein? Et après, on voit le résultat. Hein? On voit le résultat de manière visible. Mais on ne connaît pas ce qui se passe dans l'intimité. On ne sait pas la profondeur de la relation que cette personne entretient avec son créateur. Je vous le dis. Hein? Ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Tel est le titre du partage. Ta vision du Seigneur impacte votre intimité, mes amis. Hein? Il est temps qu'on puisse avoir des véritables relations, une véritable relation avec Yeshua Mashiach. Hein? Qu'on puisse être des flammes de feu, qu'on puisse embraser le monde. Hein? Que Yeshua soit glorifié à travers nous. Il est temps pour que chacun, chacune puisse être disposé à cela, je vous le dis. Comment vois-tu ton Seigneur? Comment le considères-tu? Comment le vois-tu? Est-ce que tu le vois comme un bébé, toujours? Ou est-ce que tu le vois sur une croix? Il n'est jamais sorti de la croix. Il n'est jamais descendu de la croix. Comment tu le vois, ton Seigneur? Est-ce que tu le vois petit? C'est la façon dont tu le vois, ta vision de lui. Ça va impacter votre intimité. Ça va impacter votre intimité. Comment tu le vois, Yeshua? Est-ce que tu le vois mort seulement? Non, pas ressuscité. Comment tu le vois, Yeshua? Ta vision du Seigneur, mes amis. Quelle est ta vision du Seigneur? Alléluia, je vous le dis. Quelle est ta vision du Seigneur? Mes amis, sans réfléchir un tout petit peu, on verra qu'on ne considère pas le Seigneur. On verra qu'on lui manque même de respect parfois, je vous le dis. On ne le considère pas en tant que créateur, en tant que tout-puissant. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie. C'est pour ça qu'on est jaloux de ce qui se passe à côté. Parce que nous, il n'y a rien, c'est creux. Alléluia, je vous le dis. Hein? La relation, quelle est ta relation avec Yeshua Mashiach? Il a dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit rien, je vous le dis. Et il a dit, Yeshua Mashiach, vous ferez de plus grandes choses que moi. Ces miracles qu'il a fait, tout ça là, on fera de plus grandes choses que lui. Il a dit,
Hein, je vous laisse le consolateur à venir. Hein? Avec lui, vous ferez de plus grandes choses que moi. Il n'est pas un homme pour mentir. Et pourquoi on ne voit pas ces grandes choses? Parce qu'il y a un problème d'intimité, il y a un problème de relation avec son Seigneur, il y a de vision du Seigneur. Quelle est la vision du Seigneur? La façon dont tu vois le Seigneur, c'est la façon dont il sera dans ta vie. Si tu le vois petit, eh ben, il sera petit dans ta vie. Alléluia! Si tu le vois grand, il sera grand dans ta vie. Tu comprends ça? Quelle est ta vision du Seigneur? Ta vision du Seigneur impacte votre intimité, l'intimité, ton intimité avec ton Seigneur, votre intimité. Alléluia, mes amis, nous allons voir ça. Hein? Mes amis, c'est un message, mes amis, où on doit se reprendre. On doit aller pour se poser les bonnes questions, je vous le dis. Alléluia. Hein? Nous sommes dans... Alléluia. Nous sommes dans... On va considérer deux textes. Deux textes, mes amis. Un même chapitre, Luc 7, mais deux textes dans ce chapitre. Vous allez voir qu'il y a des choses communes, il y a des points communs entre ces deux textes. Nous allons voir ça, mes amis. Il dit... Verset 1. Or, après qu'il eut achevé de faire entendre toutes ces paroles au peuple, il entra dans Capernaum. Or, l'esclave d'un certain officier de l'armée romaine, à qui il était précieux, se trouva malade sous le point d'arriver à sa fin. Et ayant entendu parler de Yehoshua, il envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir préserver du danger son esclave. Et étant venu à Yehoshua, il le supplia instamment en disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Hein? Il mérite que tu lui accordes cela. Hein? Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Yehoshua s'en alla donc avec eux. Mais comme déjà il était plus loin de la maison, l'officier de l'armée romaine envoya des amis au-devant de lui pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Hein? C'est pourquoi aussi je ne me suis pas jugé digne d'aller vers toi. » Mais dis une parole et ton serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri, mes amis. Car moi-même, je suis un homme placé sous autorité et un des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Et à un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais cela et il le fait. Et Yehoshua, mes amis, j'ai mis ça en violet. Et Yehoshua, entendant ces choses, fut dans l'admiration pour lui, mes amis. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Mes amis, cet homme a mis notre Seigneur dans l'admiration. Cet homme a créé chez notre Seigneur, mes amis, de l'admiration. Hein? Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent en bonne santé l'esclave qui avait été malade. Mes amis, c'est terrible. Nous, cet homme, un Romain, mes amis, hein? Un Romain, mes amis, hein? Un officier de l'armée romaine, mes amis, va créer chez notre Seigneur, mes amis, de l'admiration. Hein, mes amis, cet homme-là a compris, mes amis, hein, il a compris qui était Yehoshua. Donc, cet homme-là, en tant que comme sous-autorité et aussi des hommes sous ses ordres, cet homme-là, mes amis, il s'est dit que le Seigneur, là, ben, il a des anges sous son autorité. C'est pas la peine qu'il se déplace. Il a compris quelque chose. Il a compris des choses que d'autres n'ont pas compris. Je vous dis. Comprenez ça? Il a compris, mes amis. Il a compris. Mais mes amis, mais d'où ça vient? D'où ça vient sa compréhension, mes amis? Il a mis Yehoshua dans une dimension, mes amis. Une dimension qui met le Seigneur, qui provoque chez le Seigneur de l'admiration. Alléluia. Mes amis, nous allons revenir sur ce texte-là. Hein? Nous allons prendre un autre texte. On verra qu'il y a des choses communes entre les deux. D'accord? C'est terrible, mes amis. Nous sommes un peu plus bas. D'accord? Un peu plus bas. Or, un des pharisiens le pria, hein, de manger avec lui. Et étant dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville qui était pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume. Et se tenant derrière à ses pieds, en pleurant, elle les mouilla de ses larmes, et les essuya avec les cheveux de sa tête, et embrassa tendrement ses pieds, et les oignit avec ce baume.
Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit lui-même, si celui-ci était prophète, il saurait de qui et de quelle race est la femme qui le touche, car c'est une pécheresse, mes amis. Et Yéhoshua répondant lui dit, Shimon, j'ai quelque chose à te dire, docteur, parle, dit-il. Un certain créancier avait deux débiteurs. Lui, l'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur accorda à tous les deux une faveur. Dis-moi donc, lequel l'aimera le plus? Mais Shimon répondant, lui dit, celui, je pense, à qui il a accordé la plus grande faveur. Et lui dit, tu as droit de m'en juger. Et se tournant vers la femme, il dit à Shimon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oué ma tête d'huile, mais elle a oué mes pieds avec un baume. À cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, à celui à qui on remet peu, aime peu. Si j'aime ça en violet, mes amis. Et il dit à la femme, tes péchés sont remis. On va s'arrêter là. Mes amis, c'est terrible. Hein? Shimon a invité le roi des rois chez lui. Et il n'a pas considéré le roi des rois en tant que tel. Vous voyez ça? Il n'a pas considéré le roi des rois en tant que tel. Il l'a considéré même pas comme un simple invité. Parce qu'il n'a même pas, je vous dis, il n'a même pas donné de l'eau. On est au verset pour ses pieds. On est au verset, mes amis. Alléluia. Hein? Mes amis, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Hein? Ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Alléluia. Hein? Regardez ça. Hein? Hein? Regardez ça. Verset 44, mes amis. Hein? Je suis entré dans ta maison, Shimon, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Alors que c'était la tradition chez les Juifs, quand ils accueillaient quelqu'un, il lui donnait de l'eau pour ses pieds. Il n'a même pas donné de l'eau au Père, à Yéhoshua. Il n'a pas donné de l'eau pour les. Un simple invité, mes amis, on lui donne de l'eau. Il n'a même pas considéré comme un simple invité. Hein? Ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Comment ça? Comment tu vois le Seigneur? Comment tu le vois? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un, un personnage qu'on a créé? Hein? On en parle, mais c'est une légende, on ne sait même pas s'il existe. Comment tu le vois? Quelle est ta vision du Seigneur? Ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Hein? Alléluia. Des grandes choses, tu vois des grandes choses? Eh bien, sois dans l'intimité avec ton Père. Tu verras les grandes choses. Il a promis, vous ferez les plus grandes choses que moi. Alléluia. Je vous le dis, si Shimon hein, n'a pas considéré Yéhoshua en tant que Yéhoshua, en tant que Messie, hein, il a reçu pourtant chez lui. Hein? Et quelqu'un d'autre, une pécheresse hein, va considérer Yéhoshua comme son Seigneur, comme son libérateur. Elle va prendre soin de son Seigneur. Hmm? Elle va prendre soin de son Seigneur au dépens du regard des autres. Elle n'a rien à faire du regard des autres. Elle est là pour son Seigneur. Donc elle va... Mes amis, regardez ce qu'elle va faire. Hein? Hein? Regardez ce qu'elle va faire. Alléluia. Hein? Mes amis, c'est terrible. Hein? Regardez. Elle va apporter un vase d'albâtre, plein de baume, verset 37. Et se tenant derrière à ses pieds, en pleurant, elle les mouilla de ses larmes. Pourquoi elle pleurait, mes amis? Elle est en présence de son maître, elle est en présence de son roi des rois. Elle pleure. Hein? Elle pleure. Hein? Elle pleure. Elle pleure. Hein? Elle voit sa condition de pécheresse. Elle pleure. Hein, elle est dans, mes amis, elle est dans un état, hein, un état, mes amis, de repentance. Comme ça? Hein? Elle est dans un état de repentance, mes amis. Hein? Elle est dans, mes amis, elle est touchée. Elle pleure devant le roi des rois. Sa vision est que son Seigneur est devant elle. Hein? Hein? Et elle vient avec, mes amis, elle vient avec toute son âme. Elle vient avec son cœur. Comment ça? Hein? Elle vient briser. Hein? Elle vient dans la repentance. Comment ça? Hein? Et le résultat, c'est que ses péchés lui seront pardonnés.
Ces nombreux péchés lui seront pardonnés, mes amis. Vous voyez ça? C'est terrible. Comment tu vois le Seigneur? Hein? Comment on te l'a, on te l'a présenté? Si ce sont les rois que je te l'ai présenté, eh bien, je t'invite à aller dans la parole. Que le crayon soit se révèle à toi directement. Hein? Parce que les systèmes religieux là ne présentent pas le véritable Yehoshua. Déjà, ils ont caché son nom. Hein? Hein? Ils ont caché déjà son nom. Et bien, il s'appelle Yehoshua. Hein? Hein? Il s'appelle Yehoshua. Ils ont caché son nom. Alors, s'ils ont caché son nom, je vous dis, ils ne le présentent pas. Hein? Hein? Ils ne le présentent pas comme il le faut. Je vous dis. Tu peux toi-même. Hein? Toi-même parler à ton créateur, dire à ton créateur, Père, révèle-toi à moi, hein? Viens dans mon cœur, hein? Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour cela. Tu parles directement à ton Père, ton créateur. Père, je t'invite dans mon cœur, viens Père, dans mon cœur, j'ai besoin de toi, révèle-toi à moi. Hein? Je suis rempli de péchés, Père, voici les péchés, hein? Je te les présente, et Papa d'amour, pardonne-moi, je me repens, et viens dans mon cœur, viens habiter dans mon cœur. Il est écrit que je suis le temple de l'Esprit Saint. Viens faire ta maison chez moi, dans mon cœur. Viens, Père, je t'invite. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Et donc, mes amis, comment vois-tu le Seigneur? Comment vois-tu le Seigneur? Hein? Hein? Eh bien, mes amis, c'est terrible. Pour l'officier romain, hein? Il a vu le Seigneur comme celui qui donne la vie. Il a vu le Seigneur comme celui qui donne la vie. Et celui, il n'est même pas obligé de venir sur place. Il a des serviteurs dans le monde invisible. Voilà la vision de l'officier romain. Et Yehoshua sera de l'admiration. Parce que ceux qui sont supposés avoir cette foi-là, eh bien, ce sont ceux qui doivent être d'Israël. Et ils ne l'ont pas. Même en Israël, il n'a pas trouvé cette foi-là. Cette foi, hein? Cet homme, il a fallu un homme, un romain, un officier romain pour avoir cette foi-là. Hein? Une foi inébranlable. Une foi, mes amis, hein? Une foi qui dégage, hein? qui crée la vie. Hein? Yehoshua ne se déplace pas. Hein? Il y a des hommes, mes amis, quand ils prononcent le nom de Yehoshua, mes amis, la terre tremble. Parce que ils ont l'intime conviction, ils ont l'intimité avec le Père, les amis. Ils ont une vie consacrée. Hein? Il n'y a pas de 10 000 solutions, je vous le dis. C'est l'intimité avec le Père. Ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Comment ça? Et donc, mes amis, Yehoshua va dire une phrase terrible. Yoshua va dire une phrase terrible, mes amis. Et cette phrase-là, verset 47. À cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés sont remis, car il a beaucoup aimé. Or, à celui à qui on remet peu, aime peu. Mes amis, voilà cette phrase-là, est terrible. Ça a failli être le titre du sujet. Or, celui à qui on remet peu, aime peu. Comment ça? Eh bien, ce sont, mes amis, les gens qui se satisfont dans le système religieux là. Vous voyez ça? Il voit les autres, hein, comme impurs. Il voit toujours les autres comme impurs. Voyez? Il voit toujours qualifier les autres de gens condamnés, de gens qui vont droit en enfer. Donc pour que les gens ne viennent pas, n'aillent pas en enfer, il faut que les gens viennent épouser leur religion. Tous sont dans la même pensée d'esprit. Donc c'est leur religion qui est la bonne. Donc si tu n'es pas dans leur religion, eh ben, tu n'es pas sauvé. Et donc leur regard c'est un regard qui condamne. C'est un regard, mes amis, terrible. Un regard de jugement. Comme Simon jugeait cette femme. Hein? Simon jugeait cette femme. Hein? Une pécheresse. Mais une pécheresse, mes amis, dont les péchés ont été pardonnés par Yehoshua. Alléluia! C'est le plus important. Le regard des autres, peu importe le regard des autres, c'est le plus important, c'est d'avoir été pardonné par Yehoshua. Hein? Le plus important, c'est cela, mes amis. Je vous le dis. Hein? Et donc, ces hommes-là, ces femmes-là, les religieux, mes amis, hein?
comme Shimon là. C'est terrible. Ils n'ont pas besoin même, ils ont même pas besoin du Seigneur. Ils sont tellement justes, tellement purs, qu'ils n'ont même pas besoin du Seigneur. Vous voyez? Ils n'ont même pas besoin. Ils parlent du Seigneur, mais ils prennent même pas le Seigneur pour ce qu'il est. Vous voyez? Donc Shimon a reçu le Seigneur dans sa maison, mais il est tellement dans l'autosatisfaction religieuse, il est tellement dans un système où il est il n'a besoin de rien, il n'a même pas besoin du Seigneur. Il l'a reçu chez lui, il n'a même pas besoin du Seigneur. Vous voyez ça? Et Yoshua dit, oh, celui à qui on remet peu, aime peu. Hein? Ou celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, quand tu n'as rien à te faire pardonner, tu aimes peu. Mes amis, c'est terrible. Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette phrase? Hein? Quand tu n'as presque rien à te faire pardonner, mais tu aimes peu. Alors que quand tu vois ton état de pécheur, tu vois, hein, et tu es dans des péchés pas possibles, et que tu demandes pardon au Père, eh bien, tu vas beaucoup aimer après. Quand tu seras pardonné, tu vas beaucoup aimer parce que tu sais d'où tu sors. Mais quand tu as une haute opinion de toi, quand pour toi tu es juste à tes yeux, eh bien, tu n'as pas besoin d'être. t'as pas besoin d'être pardonné. Et donc, tu aimes peu. Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Cette phrase-là est terrible. Il y a une profondeur dans cette phrase-là. Terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Ça veut dire que quand tu n'aimes pas, il n'y a pas l'amour en toi. Tu es un religieux. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Hein? On va parler terre à terre. Tu n'aimes pas, tu aimes peu. Tu comprends? Tu te contentes de ton système religieux là. Hein? Mais le Seigneur, tu ne le considères même pas. Tu ne le considères pas. Tu parles de lui, mais tu ne le considères pas. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Et même tu le remets en question parce que tu te dis, il a dit Shimon, regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. Si cet homme, c'est quel verset il dit ça? Hein? C'est quel verset, mes amis? Regardez ça. Regardez. Regardez ce que. Voilà, verset 39. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, si celui-ci était prophète. Oui. Si celui-ci était prophète. Oui. Non. Finalement, non. La façon dont il se comporte là, s'il était prophète, il aurait su. Il saurait qui et de quelle race est la femme qui le touche. Car c'est une pécheresse. Donc il remet en question. Hein? Il remet en question Yoshua. Il doute de Yoshua. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur revient, mais est-ce qu'il revient vraiment? Le Seigneur a dit qu'il revient, mais l'homme est quand même fort. L'homme, il y a un progrès de l'homme. Peut-être que l'homme va arriver à créer la vie. Il y a des gens qui sont comme ça, mes amis. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans ce système-là, ancrés dans ce système-là, mes amis. Et qui remettent en question le retour du Machia. ils sont à leur aise dans ce monde-là. Hein? Mes amis, le message là est profond. Comment ta vision du Seigneur impacte votre intimité? Hein? Pour l'officier romain, mes amis, sa foi a fait en sorte que Yoshua soit dans l'admiration pour lui. Hein? Yoshua, mes amis, a eu de l'admiration pour cet homme-là, mes amis. Comme ça? Et donc, mes amis, en ce qui nous concerne maintenant, hein, comment voyons-nous le Seigneur? Hein? Hein? Il y en a même, mes amis, qui ont même mis le Seigneur de côté, il est resté bébé. Et ces gens-là, ces chrétiens-là, mes amis, hein, parlent de Marie, la mère de Yoshua, homme. Hein, Marie qui est morte, hein, qui attend la résurrection. Ces gens-là
ont mis Yoshua de côté et ils prient Marie, mes amis. Regardez jusqu'où on a été. Dans quelle dérive on a été, mes amis. Hein? Alors qu'il est la porte, que Yoshua est la porte. Yoshua est le roi des rois. Yoshua, il est le chemin, la vérité, la vie. On l'a mis de côté et pour prier qui, mes amis? Priez la mère de Yoshua, homme, mes amis. Regardez la dérive, mes amis. Il y en a, pour eux, Yoshua est resté sous la croix. Donc, ils mettent des croix dans leur cou. Ouais, donc, ils montrent une croix et Yoshua est sur une croix. Il est resté sur une croix. Il n'est pas descendu de la croix. Mes amis, regardez les dérives, mes amis. Qui est Yoshua pour toi? C'est la question qui est posée. Hein? Donc, il y en a, je vous dis, c'est un bébé dans une crèche. Donc, chaque Noël, il y a un bébé dans une crèche. Qui est Yoshua pour toi? Hein? Il y en a qui pensent que Yoshua ne les voit pas. Hein? Dans leur crime. Hein? Dans leur offense. Ils pensent que Yoshua ne les voit pas. Donc, après, ils pêchent. Et puis après, ils vont s'asseoir dans un bâtiment d'église, hein, pour prier le Seigneur. Et ils pensent que Yoshua ne les voit pas. Qui est Yoshua pour toi? Quelle est ta vision du Seigneur? Hein? Il y en a qui pensent que Yoshua est au même niveau que le diable. Que Yoshua combat le diable. Que Yoshua, que le diable a autant de pouvoir que Yoshua. Il y en a qui le pensent. Alors que Yoshua est le créateur et le diable est une créature. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont au même niveau de puissance, mes amis. Je vous le dis. Il y en a qui mettent le diable tellement haut, mes amis, que en fait, ils ont peur du diable. Mes amis, c'est terrible. Quelle est ta vision du Seigneur? Comment tu vois le Seigneur? Si tu vois le Seigneur comme un bébé, il sera un bébé dans ta vie. Si tu le vois cloué sur une croix, qui n'a pas bougé, il sera comme ça dans ta vie. Comment tu le vois? Donc, tu le portes autour de ton cou, matin, midi et soir. Et il te protège, c'est ça? Mes amis, on a des problèmes sérieux. Hein? Quelle est ta vision du Seigneur? Hein? Il y en a qui le voient avec un fouet. Hein? Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Les religieux. Hein? Mange ci, mange ça, fais pas ci, mange pas ça. C'est ça, avec un fouet. Il y en a qui le voient comme ça. Il y en a qui le voient. Il faut prendre soin du corps. Hein, il faut prendre soin de la santé d'abord. La santé. Ça, mais tu vas crever avec ta santé, là. C'est pas le corps qui compte, c'est l'esprit qui compte. Hein? Je ne dis pas bien. Je dis bien qu'il faut bien sûr prendre soin de son corps. Il faut faire un peu de sport. Il n'y a pas de souci. Mais que tu puisses mettre ça comme sujet de salut, que la santé est un sujet de salut, que c'est la santé, c'est le salut, mélanger tout ça, mais il y en a qui prennent Yoshua pour un aile de aliment. C'est terrible, mes amis. Pour qui? Comment tu vois le Seigneur? Il y en a qui voient le Seigneur comme... Je vous dis, c'est terrible. Il y en a qui voient le Seigneur comme aux abonnés absents. Oh, je crie, mais il ne me répond pas. Il n'existe pas. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de Seigneur aussi. Il y en a pour toutes les sauces. Pour qui? Quelle est ta vision du Seigneur? Le Seigneur est qui pour toi? Je vous dis. Je vous le dis. Hein? Il y en a qui voient le Seigneur comme un bourreau. Hein? Donne ta dîme. Si tu ne donnes pas ta dîme, eh ben, tu seras pas béni. Donc, le Seigneur est un bourreau qui a besoin de ton argent. Il a besoin de ton argent. Fais quoi avec ton argent? Hein? Hein? Lui-même, il a dit, donne à César ce qui appartient à César. Hein? Alors, il a besoin de ton argent pourri, là. Il a besoin de ton argent pourri. Mes amis, pour comment tu vois le Seigneur? Comment tu le vois? Je vous dis. Il y en a pour toutes les sauces.
Je vous dis. Il y en a qui voient le Seigneur dans la vie des autres, mais pas dans leur vie. Il y en a même qui condamnent le Seigneur. Ah, s'il y avait un Seigneur, il n'y aurait pas eu tous ces crimes. Des crimes commis par l'homme. Hein? Quelqu'un fait un accident de voiture. Hein? La voiture a une marque. La voiture a quelqu'un qui l'a créé. Mais on reproche au Seigneur cela. Mes amis. Ouais, le Seigneur est coupable de la méchanceté des hommes. Je vous le dis. Quel est le besoin du Seigneur? Eh bien, l'officier romain avait compris que Yeshua était son sauveur, était sa solution. La femme pécheresse a compris que Yeshua était son Seigneur. Aujourd'hui, mes amis, nous devons comprendre que Yeshua est la solution. Il est le Père. Il est le Père. Beaucoup ne veulent pas l'entendre. Il est le Père. On a même inventé la Trinité, mes amis. On a inventé la Trinité. Un aile avec trois têtes. On a inventé la Trinité. L'homme est terrible. L'homme est terrible, mes amis. Et l'homme ne veut pas ne pas entendre cela. Parce qu'ils ont mis en place ce mot-là, la Trinité. Et ils marchent avec. Ils ne veulent pas entendre qu'il y a un seul elle. Hein? Il y a un seul elle, un seul créateur. Il est Père, il est Fils, il est Esprit. On ne veut pas entendre ça. C'est la vérité. Alléluia, c'est la vérité. Hein? On a créé un Dieu à trois têtes, un monstre. On a créé un monstre. Le Père est assis sur le Fils sur le trône. Hein? Le Père est assis sur l'agneau sur le trône. On a créé un monstre. Je vous le dis. Hein? On sous-dimensionne notre Créateur. Hein? On ne peut pas penser que pendant qu'il est sous la terre en tant que Fils, il est elle, il est Créateur en temps. Il est notre Elohim au ciel en même temps. On ne peut pas le penser parce qu'on est limité et on raisonne. Les choses d'Elohim ne sont pas des choses où on peut amener des raisonnements. Pas, les choses spirituelles, on ne peut pas raisonner sur les choses spirituelles. Mais on est amené à raisonner en tant qu'homme. On raisonne beaucoup. Vous voyez ça? Donc, on se crée notre propre Seigneur. Hein? Donc, ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Comment tu vois le Seigneur? Si tu es dans le mensonge de la religion pendant des décennies, c'est normal que tu sois... Que tu sois... comment dire ça? Alléluia! C'est normal que tu n'aies pas la bonne vision. Hein? Il faut que les écailles tombent des yeux, mes amis. Qu'on puisse découvrir, mes amis, notre Elohim. Qu'on puisse découvrir Yehoshua Mashiach à travers sa parole. Hein? Quel créateur on t'a présenté? Hein? Quand tu pries, hein, tu ne sais même pas qui prier parce qu'il y a trois dieux et tu ne sais pas lequel qui fait quoi. Mais c'est terrible, mes amis. Il y a un seul elle qui opère en tous. Comment ça? Yehoshua Mashiach, le Créateur, la parole. Il est le Père, il est le Fils, l'Esprit Saint. C'est ça le message, mes amis. Hein? C'est lui qui sauve. C'est lui qui a ta solution. Fais appel à lui. Ne prie pas Marie, prie Yehoshua Mashiach. C'est son nom qui est tout puissant. Le seul nom qui a été donné que le de tout nom. Le nom de Yehoshua Mashiach. Tu le dis? Hein? C'est le seul nom, mes amis, qui a été donné que le de tout nom. Pierre l'a dit. Hein, mes amis? Hein? Je vous le dis. Hein? Hein? Il n'y a pas d'autre nom, mes amis, qui a été donné. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Yehoshua Mashiach. Pourquoi on veut un autre nom? On est tordu. Le cœur de l'homme est tordu. Hein? Il n'y a pas d'autre nom, mes amis. On a créé différentes religions, hein, pour détourner le peuple. Mais Yehoshua n'a pas dit son dernier mot. Vous dites, on est dans les derniers temps, la connaissance s'agrandit. Il a dit ça, mes amis. Les gens se réveillent maintenant avec la parole, la véritable parole. Hein? Qu'on puisse quitter ces bâtiments d'église-là. Qu'on puisse les quitter définitivement. Qu'on puisse rester à la maison avec sa famille. Qu'on puisse prier en petit groupe. Louer Yeshua Mashiach matin et soir. Qu'on puisse se mettre à deux, trois. Car il est dit que là où deux, trois sont réunis autour de mon nom,
hein, et qui sont accordés, eh bien, je descends au milieu d'eux. Ça se passe, mes amis. Il y a des gens qui vivent ça. Donc, ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Comment tu vois le Seigneur? Sors de ces bâtiments d'église-là. Sors de là. Yehoshua n'est pas là. Ce sont des systèmes d'hommes. Des gens bien vêtus. Hein? Où est-ce que vous avez vu que Yehoshua était bien vêtu? Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Hein? Bien vêtu, là, avec des chaussures qui brillent, là. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Hein? Des hommes, hein, qui ne peuvent même pas marcher sur la terre. Hein? Des hommes avec de grosses voitures, de grosses maisons. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu Yehoshua? Vous avez vu Jean-Baptiste avec ça? Avec des vêtements terribles? Vous avez vu ça où? Il faut qu'on revienne à la parole, mes amis. Hein? À la simplicité de la parole, je vous le dis. Yehoshua est trop fort, mes amis. C'est le moment, c'est l'heure. Ta vision du Seigneur impacte votre intimité. Mes amis, le moment est venu. L'heure est venue. Qu'on puisse, que les enfants de Yehoshua se réveillent. Alléluia! Que les enfants de Yehoshua se réveillent. Hein? Qu'on puisse découvrir le véritable Elohim. Alléluia! Hein? Celui qui vient habiter dans ton cœur. Alléluia! Je vous parle un peu de Yehoshua Mashiach. Alléluia, hein, celui qui vient habiter dans le cœur de l'homme, hein, de la femme, qui vient habiter, qui vient faire son habitation. Et lorsqu'il vient, mes amis, il n'y a pas d'impureté qui reste, mes amis, comprenez ça? Tu vis une vie de sainteté, de sanctification, tu es consacré à Yehoshua Mashiach, tu deviens un prêtre, tu deviens un sacrificateur, un prêtre, mes amis, et tu es roi, tu règnes, hein, la domination t'est donnée, mes amis. La domination qu'avait perdu Adam, eh bien, t'es donnée, mes amis. Et c'est ça. Et quand tu as cette vision du Seigneur, mes amis, eh bien, ta vie est impactée, mes amis. Moi, ça. Tu deviens terrible. Tu deviens un danger pour le mal. Tu deviens un danger pour les sorciers. Un danger pour tous ceux qui sont dans le mal, mes amis. Tu deviens une bombe. Quand les sorciers te voient, ils tremblent, mes amis. Eh bien, c'est de ce Yehoshua-là dont je veux vous parler, mes amis. Hein? Hein? Change ta vision du Seigneur. Hein? Il est le Tout-Puissant. Quand on dit Tout-Puissant, Tout-Puissant. Hein? Il est Tout-Puissant, Tout-Puissant, Tout-Puissant. Hein? Il est capable de tout dans ta vie. Hein? De réformer un cœur, il est capable. Il est capable de te guérir. Il est capable de te rétablir. Il est capable de te sauver. C'est Yehoshua Mashiach, je vous le dis. Hein? Il n'y a pas d'autre chose à dire, mes amis. Le Tout-Puissant, c'est la révélation que tu dois avoir de Yehoshua. C'est le Tout-Puissant. Tu comprends ça? Moi, je parle pour moi aussi dans ça, mes amis. On le dit, mais on ne le vit pas. C'est une vision du Seigneur qu'on doit avoir. Et ça va impacter notre vie, mes amis. Nous allons devenir des dangereux. Des dangereux, mes amis, pour l'ennemi. Je vous le dis. Mais est-ce qu'on le veut, ça? Parce que c'est une vie consacrée. Ça demande, mes amis, le sacrifice de soi-même. Hein? Il faut qu'on prenne soin de soi-même de façon à pouvoir s'offrir à Yehoshua, mais un sacrifice saint. Alléluia. L'Holocauste, vous voyez ça, hein? L'Holocauste, tout est consumé, mes amis. Tout est consumé. On est amené à l'Holocauste, mes amis. On est amené à l'Holocauste, mes amis. À se sacrifier, mais à offrir quelque chose de saint au Seigneur, mes amis. Vous voyez ça? C'est ça, hein? La vision du Seigneur qu'on doit avoir, mes amis. Et pour pouvoir, mes amis, impacter les autres, mes amis. Pouvoir rayonner, mes amis. Pouvoir, mes amis, hein, diffuser, hein, diffuser le feu. Vous voyez ça? Hein? Que Yehoshua soit glorifié, mes amis. Vous voyez ça? Qu'on impacte les autres, mes amis. Hein? On devait des fous et des folles de Yehoshua, mes amis. Là, on devait être dangereux, je vous le dis. Dangereux, mes amis. Dangereux, je vous le dis. Hein? Hein? Yehoshua, mes amis, est à la porte, il est élégant, il ne va pas te forcer à cette relation. C'est à toi, tu as ta part. Hein? Tu as ta part, cela t'appartient de prendre la décision. C'est à toi de décider si tu veux suivre véritablement le Seigneur. C'est à toi de décider, il ne va pas décider pour toi, il est élégant. Il est à la porte, il est élégant, il va pas forcer la porte. Tu comprends? Je sais la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, et il va rentrer, il va souper avec cette personne-là. Tu vois? Mais il faut lui ouvrir. Ça? Il est élégant, le Seigneur. Alléluia, je vous le dis. Yehoshua est trop fort, mes amis. Vous voyez ça? Il est trop fort. Et mes amis, il fait ses affaires. Il va chercher ses brebis une après l'autre. Mais il va chercher ses brebis. Il l'a dit, mes amis. Hein? Donc, mes amis, considérez la parole, mes amis. Considérez la parole, tout ce qui a été dit en amont. Tout ce qui a été dit en amont concernant le Mashiach. Ouais? Ça s'est accompli comme c'était écrit, mes amis. L'ennemi n'a pas pu faire autrement que de regarder ça de ses yeux, d'être spectateur de ce qui se déroulait sous ses yeux. Pourtant, c'était écrit, il connaissait la Torah.
Hein? Et pourtant, ça s'est déroulé, mes amis, sous ses yeux. Il n'a rien pour faire parce que la parole est sortie, mes amis. Eh bien, c'est pareil. Yoshua va revenir. Il va rien pouvoir faire parce que c'est la parole est sortie. La parole est puissante, mes amis. La parole est un être. La parole est Yoshua Mashiach. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ceux qui mettent le diable au même plan que Yoshua, il faut savoir que le diable est une créature qui assiste à ce qui se passe. Hein? Et il est même utilisé par le Seigneur, mes amis, parfois. Alléluia. Il est même au service du Seigneur parfois. Hein? Alors, mes amis, nous servons le Tout-Puissant. Vous voyez ça? Nous servons le Tout-Puissant. Vous voyez ça? Les gens vont dire, ah bon? Yoshua utilise le diable? Ben oui. Pour Job, nous voyons que eh bien, Yahweh a dit, vas-y. A dit au diable, vas-y. Touche à mon serviteur Job. Mais ne touche pas sa vie. Eh bien, Yahweh a utilisé le diable pour Job, mes amis, pour emmener Job quelque part d'autre. Job était à un niveau, pour faire passer Job à un autre niveau, Yahweh a utilisé le diable, ben oui, pour faire grandir son serviteur Job. Allez lire Job, vous allez voir. Donc quand je dis que Yahweh, Yahushua utilise le diable, ben oui, à son insu. Yahushua est trop fort, mes amis. Comment ça, il est tout puissant. On a affaire au tout puissant. Alors, quelle créature qui va le couillonner? Quelle créature qui va le couillonner, notre Père? On a affaire au Tout-Puissant, mes amis. Comment ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Yoshua est trop fort, mes amis. Qu'on puisse, mes amis, changer notre vision, si on n'a pas la bonne vision du Seigneur. On puisse changer notre vision, Yoshua. Parce que c'est cette vision-là, mes amis, la vision du Seigneur Tout-Puissant, la vision du Seigneur en tant que elle Tout-Puissant, qui va impacter notre intimité et qui va faire de nous, mes amis, des véritables enfants d'Elohim, des véritables disciples, mes amis, comprenez ça? Mais ça demande, mes amis, ça demande l'holocauste, ça demande le sacrifice, ça demande, mes amis, qu'on puisse se donner entièrement, totalement à Yoshua Mashiach, qu'on ne puisse pas essayer de l'usurper, hein, avec des crimes qu'on peut faire, hein, des péchés qu'on peut commettre, mes amis, hein, dans l'obscurité. Mais il nous voit, qu'on soit clair, que la situation soit claire, mes amis. Hein? Nous ne sommes pas parfaits, mais Yoshua va nous aider. Alléluia, je vous dis. Si on a un cœur à aimer Yoshua, il va nous aider. Qu'il soit glorifié. Je vous invite à la prière. Père, merci, Papa d'amour, pour ce partage. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Yeshua Mashiach. Papa d'amour, aide-nous, Papa d'amour, à te voir en tant que Seigneur Tout-Puissant. Aide-nous à te voir en tant que solution à notre vie sur cette terre. Aide-nous à te voir, Papa d'amour, comme le elle qui revient chercher ses enfants. Et que ton nom soit béni, Papa d'amour, dans nos cœurs, dans nos vies, Papa d'amour. Que le cœur soit touché, Yeshua Mashiach. Béni soit ton nom, Yeshua Mashiach, au siècle des siècles. Je te remercie pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yoshua revient et le combat continue. Je vous dis à bientôt.